Et bonsoir les amis. Alors on se retrouve pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce dimanche 18 août 2019. Donc on va attaquer ça. Donc des courses mitigées. Avant tout, n'hésitez pas à aller voir mon compte YouTube en description. On est déjà 61 abonnés. Merci à ceux qui se sont abonnés, ceux qui vont et qui visionnent des pubs, aux abonnés qui visionnent des pubs également. Merci à vous. Franchement, c'est très 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 sympa de me soutenir de cette façon-là, en plus de YouTube. Donc sur ce, donc mon compte Facebook avec certains tarifs pour les jeux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sera en description également sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc on y va pour le prono cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce dimanche 18 août 2019. Donc on commence avec la première course qui sera la R3C4 à 13h42 au Mont-Saint-Michel. C'est de l'attelée sur 2675 mètres et il y aura 14 partants. Mon favori sera le 13 Epidelande, monté par Donio. Drivé par Donio, pardon. Mon 2 sur 4 combiné sera le 13, le 10 et le 12. Mon couplet combiné sera le 13, le 10, le 12 et le 14. Pour ce qui est de mon multi en 7 en champ total, ce sera le 13, le 10, le 12, le 14, le 11 et le 4. Voilà pour la première course. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R4C5 à 16h42 à Montier-Ander. C'est de l'attelée sur 3000 mètres et il y aura 16 partants. Mon favori sera le 8 Derby du Dollar, drivé par Ouvry. Mon 2 sur 4 combiné sera le 8, le 13 et le 11. Mon couplet combiné sera le 8, le 13, le 11 et le 15. Et pour ce qui est de mon multi en 7 en champ total, ce sera le 8, le 13, le 11, le 15, le 16 et le 1. Voilà les amis pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce dimanche 18 août 2019. On va passer à l'arrivée. Aux arrivées cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 d'aujourd'hui samedi 17 août. Donc on y va pour la première course de la journée qui était la R3C2 et la meilleure des deux, vraiment sans distinction. Comme quand je vous dis que les courses sont difficiles en ce moment avec le quintet et tout, franchement c'est de mise de partout. Donc l'arrivée de la R3C2 est le 13, le 7, le 8, le 1 et le 10. Donc mon favori gagne et il fait 6,10 gagnant et 1,90 placé. Donc pas mal du tout le rapport. Le 2 sur 4 combiné nous rapporte 7,20. Le couplet gagnant nous rapporte 11,70. Le couplet placé nous rapporte 4,95. Et le multi en 7 nous rapporte 21,60. Donc petit rapport tout de même, que le multi en 7 encore qui paye un peu. Voilà, et le jeu simple. Donc encore, bon, on s'en sort pas mal. Pour ceux qui étaient de la R4C1, par contre, c'est tout à l'opposé. L'arrivée le 3, le 8, le 12, le 7 et le 1. Malheureusement, on n'a rien pour cette course-là. Voilà, on passe à côté. Excusez-moi. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte YouTube en description ainsi que mon compte Facebook. N'hésitez pas à liker à masse pour les référencements de mes vidéos sur YouTube. Partagez à masse, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, plein de poutous. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Et le pronostic Quintet Plus est déjà posté, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde.